J'ai toujours beaucoup de difficultés de regarder le passé, en sachant que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va faire demain. Et donc, la première idée qui était de faire ce livre, et c'est Hervé et Sophie hein, qui m'ont poussé à faire ce livre, cette idée-là était pour moi de regarder l'entreprise à l'arrière. Et finalement, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est aussi transmettre des valeurs, c'est transmettre une histoire que beaucoup de jeunes collaborateurs ne connaissent pas. C'est aussi rendre hommage à mon père, bien entendu, parce que sans lui, on ne serait pas là. Puis c'est rendre hommage aussi à tous ceux qui ont construit cette entreprise. Ce livre, on l'a écrit donc avec Sophie Cuenot. C'est un livre, bien sûr, qui est destiné à des lecteurs qui sont atteints à l'entreprise, mais c'est aussi un livre qui est destiné à des lecteurs à l'extérieur. Enfin, on espère. Oui. Pour nous, il y avait deux dimensions à la fois. Le témoignage que Paul pouvait donner sur cette histoire, les valeurs que tu avais envie de partager, qui te semblaient importantes, et puis resituer voilà, cette histoire-là dans l'histoire de la montagne, l'histoire de la montagne que raconte Guérin dans tous ses livres. Quoi. Il raconte que c'est possible et que c'est jamais fini. Il raconte aussi qu'à travers la création des outils, chez nous on appelle ça des outils, mais au sens noble du terme, hein, c'est-à-dire qui apportent un service à la personne, à travers ces outils, on a fait évoluer les pratiques et on a fait changer les pratiques. D'autres entreprises ont participé également. Mais finalement, c'est le cœur de Petzl, c'est son ADN. Il y a un vrai jeu à trouver une solution. Parce que finalement, des outils, c'est quoi? C'est une solution à un certain nombre de problèmes que l'on veut résoudre. Qui n'est pas forcément la meilleure solution, mais c'est la solution du moment. Et c'est pour ça aussi que les outils évoluent sans cesse, parce qu'il y a des évolutions nécessaires de poids, de volume, d'efficacité. Ce livre, c'est un témoignage d'une cinquantaine de personnes. C'est un regard plus vrai et plus juste, puisque en fait, toute cette histoire a été partagée avec des anciens collaborateurs, des collaborateurs actuels. Et je crois que c'est aussi une force de ce livre. On a voulu quelque chose qui se lise un peu comme un roman, des flashs sur des grands moments de l'entreprise, voilà, quelque chose qui soit agréable à lire. Cette photo, elle est fantastique. Ça, c'est une photo incroyable. T'en compte la pêche que ça te donne, ça. Il y a des moments qui n'ont pas toujours été faciles chez Petzl. Je pense que ça transparaît à travers le livre. Il y a eu des moments, il y a des moments de doute, il y a des moments où on se dit est-ce qu'on est toujours aussi innovant qu'avant, donc il faut repartir à la... au combat, entre guillemets. Il y a le moment de l'accident, qui est un moment, donc l'accident sur les longes, qui est un moment difficile. Parfois tout fonctionne bien, puis parfois c'est pas si simple que ça, quoi. Ça ressemble un peu à une course. Dans une course en montagne, il faut aussi de l'intuition et de la chance. Il faut de la technique, mais il faut aussi de l'intuition et de la chance pour que ça fonctionne. Il faut des doutes aussi. Le problème, lorsqu'on va, faire, on va en montagne, on voit où est le sommet, on le connaît. Tandis que dans une entreprise, le sommet, c'est jamais fini. C'est une course de fond. Mais finalement, moi, j'écris beaucoup maintenant sur le livre parce que... Tu prends des notes? Non. À chaque fois qu'une personne de l'entreprise vient, me dit « Paul, il faudrait que tu me mettes un petit mot ». Alors, oui, ouais. J'essaye de faire quelque chose propre à la personne. Et moi, je suis fils d'artisan. Et un artisan, quand il a fait un travail, il regarde son travail, c'est-à-dire il prend un recul, il regarde son travail, et puis il est satisfait, pas satisfait. Et dans la famille, on n'est plutôt jamais satisfait. Donc il y a toujours quelque chose à améliorer. Et donc ce livre, pour moi, c'est aussi ce regard du bel ouvrage qu'on regarde, et on fait un point, et puis on repart devant, quoi. Voilà, l'avenir, c'est demain, et c'est dans le mouvement encore.